C'est comme le djembé, mais c'est un peu différent. Vous voyez, c'est comme si on va coller deux djembés ensemble. Les formes, c'est presque les mêmes, mais ça, c'est collé, mais c'est un bois unique. C'est fait avec un pot de chèvre, avec la corde coton. Il s'appelle tamani. Alors, djembé, il n'y a que trois notes dans le djembé, mais cet instrument, à partir de 7 jusqu'à 48. Et la différence, c'est ça, parce que djembé, on met là, mais cet instrument, on met ici. Quand tu mets là, par rapport à les mouvements des bras, ça change le son, comme ça. Façon à utiliser. Alors on met ici comme ça. Au Mali, il y a des gens qui jouent comme ça. Ça c'est pas mal. Il y a des gens aussi qui jouent comme ça. C'est pas mal. Nous on a passé à utiliser tous les deux doigts. Comme ça, tu as plus possibilités, tu peux faire le rythme, tu peux faire les mélodies, en même temps les groove, tous les trois ensemble. Donc c'est un petit instrument, mais il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, comme ça. Je vais faire un petit solo pour vous. Un jour, par exemple, j'étais chez mon ami, un grand musicien. Il m'a invité, Baba, on va faire l'anniversaire. Oh, viens, on va faire la fête. Donc moi, je suis venu. Mais partout là où je vais, je ramène toujours mon tamar. Parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Ça suffit que tu mettes dans le sac à main. Et tu peux aller partout là où tu veux. Alors, on était là, tous là. Lui, il avait préparé un disque pour chanter tous. Happy birthday to you. Nous, on doit chanter avec la musique. Ah oui? Ok. Donc, on était tous là. Quand il était prêt, il a fait comme ça, tac, mais le disque, ça ne part pas. Donc, on était tous là. Ça ne passe pas. Donc, je me suis reculé un peu. Je suis parti chercher mon petit tamar. Je suis venu comme ça, doucement, 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 doucement.